Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve et on va passer la journée ensemble. Alors, aujourd'hui, je suis en jour off. Et lorsque je travaille pas, ce que j'adore faire, c'est partir marcher. J'essaye, en fait, quand je travaille pas, de faire 10 000 pas par jour et de pas rester à rien faire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi. À la base, je voulais faire ça au lever du soleil. Sauf qu'ici, il faut savoir que là, vu que c'est encore l'été, le soleil se lève très tôt. C'est-à-dire que moi, toute la semaine, je me lève à 5h du matin pour aller travailler. Il est déjà levé. Donc peut-être que je ferai ce genre de vidéo avec le lever du soleil plus tard dans la saison. Mais je vous le ferai. Aujourd'hui, on va faire les... C'est quoi cette position là? Je suis pas du tout bien. Aujourd'hui, on va faire 10 000 pas ensemble. Et j'ai décidé qu'on allait aller jusqu'au Borough Market à pied. Donc le Borough Market, c'est un marché qu'on adore. Et on va aller acheter nos fruits et légumes. J'adore marcher parce que Londres, ça regorge de surprises. Genre des fois, quand t'es en métro, en taxi, en bus ou quoi, bah t'as pas l'occasion de voir certains petits endroits sur lesquels tu vas tomber lorsque tu marches. Et j'adore faire ça, non seulement parce que je vois des belles choses, et je sais pas, c'est agréable, je suis seule, je fais ma vie, personne me saoule, je parle à personne, je suis avec mon chien. Je suis prête. J'aime trop. T'es surexcitée, ma pauvre. Prisca, s'il te plaît, avance. Là où on va, c'est à une heure de marche. J'ai pris un petit Dutch bag dans mon sac pour ramener mes fruits et légumes. Je connais pas du tout le chemin, mais j'ai l'impression qu'on passe pas par des endroits habituels. Tu peux regarder ta mère aussi, voilà, très bien. Ah, Prisca fait pipi. C'est bien, ma fille. Je suis désolée, j'ai l'air méchante, mais j'en ai vraiment trop marre des mecs qui te matent dans la rue, mais jusqu'à se faire un torticolis. Nous, on fait pas ça. Enfin, je sais pas, les mecs, vous êtes déjà sentis mal à l'aise parce qu'une meuf, elle vous regardez, genre. Qui fait ça? Je peux plus me les voir. J'en viens à avoir un problème avec eux. Genre dès que je suis dans la rue, qu'il y a un type qui me regarde ou quoi, mais genre pas qui me regarde, qui me regarde avec insistance, qui va se faire un torticolis. Genre lui là, j'ai envie de lui dire, mais le... Du coup je fais duel de regard, le premier qui baisse les yeux. Moi la vie de ma mère, je les baisse pas. C'est bon, t'as fini? Voilà, tu vois, et après il regarde plus du coup. Et le pire, c'est qu'à Londres, on est grave privilégié parce qu'il n'y a pas de harcèlement de rue. C'est beaucoup moins courant qu'en France, par exemple. Moi, je me souviens à Marseille, à Paris, mais mon Dieu, tu peux pas faire deux pas sans qu'on te casse. Peu importe que tu sois en jogging, en truc, en machin. Alors là, je veux bien, je suis en tenue de sport, c'est moulant, mais bon. Arrêtez, on est en 2022, des filles à poil, vous en voyez toute la journée. On dirait que ça vous choque, quelqu'un en tenue de sport. Mais une chose est sûre, je changerai jamais ma manière de m'habiller pour des porcs. Éduquez-vous, grandissez, faites un éveil spirituel, j'en sais rien. Mais lâchez-nous la grappe! J'ai une envie de croissant, de thé, j'ai envie de faire un petit déj alors qu'on est censé partir faire du sport. Alors franchement, quand j'arrive à Borough Market, s'il y a des croissants, c'est sûr j'en prends. Bien mérité! Bon, je me suis foutu mes lunettes de soleil sur le pif! Il y a un grand soleil, c'est trop agréable, j'espère que je vais bronzer. On est à presque 2000 pas, c'est bien. Et on n'est pas arrivé. Hein. La Tamise. Regardez. Vous voyez? C'est cool. Elle me fout la honte. C'est trop beau par ici. Je sais pas si vous voyez bien derrière moi. Mais regardez comme c'est beau. J'adore. Bon, ben on en a une qui a rendu l'âme. Ça y est, elle en a marre de marcher, madame.
ça y est, on est arrivé au Borough Market. Trop hâte, trop trop hâte. Donc là, pour l'instant, je suis à 5300 pas. It's been a day. Stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day. Stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day. We gonna get wavy later. Bon, on vient de finir nos courses avec Prisco et on va rentrer à la maison. On est bientôt à 10 000 pas. Ça va? Tu veux que je te porte? T'as mangé tes poils? Ça va? Est-ce que tu veux que je te porte? Je peux te porter. Hein. Oh là là, c'est une grosse tousse. Hein. On a passé les 10 000 pas. Youhou! J'ai enfin trouvé un reality. Hello. Hi, can I have a regular one, please? Thank you. C'est le meilleur truc au monde et encore lui, je trouve que c'est celui que je déteste le plus, c'est celui qui est à côté de chez moi. Je vous fais un petit unboxing de mes courses. Donc j'ai acheté des petites figues, j'ai aussi acheté des reines Claude, trop trop bonnes, mais je les ai un peu abîmées pendant le trajet, elles étaient très très mûres. Ensuite j'ai pris deux petites pêches blanches qui viennent de chez moi, qui viennent de Corse, très contente. Et j'ai pris des petites pêches jaunes excellentes aussi, une scamode, c'est de la mozza fumée et séchée. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, c'est ma petite baguettine aux olives. Je viens de finir ma marche. Du coup, au final, j'ai marché presque 3 heures. J'ai fait au total plus de 12 000 pas, je suis à 12 500, un truc comme ça, donc on a bien marché. Franchement, je vous incite trop à faire ça, j'espère que ça vous aura donné envie parce que c'est vraiment agréable. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Si vous venez à Londres, allez au Borough Market parce que vraiment c'est trop chouette, il y a plein de produits cool. Alors certes, c'est un peu plus cher, mais c'est pas non plus beaucoup plus cher qu'en grande surface. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment une vidéo simple et j'espère qu'elle vous apportera un peu de bonne humeur dans votre vie et qu'elle vous motivera un petit peu. Prenez du temps pour vous, bougez votre corps, faites-vous plaisir. Visiter des endroits que vous aimez bien, prenez un café, kiffez votre vie. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt. Si ça vous plaît, je pense qu'on le refera. Bref, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Bisous! Baby, baby.